c'était simple parce que moi, j'ai eu des coups de pouce aussi, que ce soit des parents ou des petites bourses ici qui ont fait que tu as un petit stimulus de plus à aller vers ton objectif. Et donc là, me lier avec la Fondation Patrice Bérin vers la Fondation Aléo, ben c'était un no-brainer. Pour moi, c'est important de venir ici, de souligner le moment important que c'était pour moi quand j'ai été boursière dans le temps. J'avais 19 ans à McGill, puis sûr que les jeunes ici sont plus jeunes que moi j'étais, mais pour moi, c'est un moment marquant, vraiment. Ça m'a mis sur le cheminement vers l'équipe nationale, puis vraiment un bon début d'une carrière que j'ai eue avec l'équipe nationale, puis comme athlète professionnel. Je suis allé à plusieurs événements. C'est juste un appel qui était naturel de pouvoir m'impliquer et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. C'est pas juste une fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. D'être aussi quelqu'un qui va leur donner un petit peu d'appui pour qu'ils puissent se développer, ça fait très très chaud au cœur et puis ça fait plaisir. Premièrement, on est un club de communauté. Donc pour nous, c'est très naturel, organique de aider une cause, aider des plus jeunes qui ont besoin de l'aide pour dans leur parcours, réaliser leurs rêves. Ariève, elle joue pour nous, tu sais. Je suis son coach, dans le fond, là, les jeudis soirs. Donc, une fois qu'elle a travaillé ici à Caléo, ben moi, j'étais comme super intéressé comment approcher.